GuinéeHitMusic.com. Bonsoir, aimables téléspectateurs de GuinéeHitMusic.com. Bienvenue sur notre plateforme digitale et nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Al Soaré qui est le PDG de Nord-Sud Communication. Nous allons parler du village Sili qui se pointe à l'horizon. Vous savez bien, sans plus tarder, bonsoir monsieur. Bonsoir Sadina. Nous sommes à 24 heures de l'événement, le village Sili. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau de ces préparatifs que nous constatons sur le terrain? Ben, d'abord, il faut saluer l'initiative de ce projet. Parce que nous, nous sommes des jeunes et nous, on essaie d'innover à chaque fois qu'on peut dans ce qu'on fait, dans ce qu'on entreprend. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'à la dernière phase finale, la Guinée n'y a pas participé. Donc le football étant un vecteur qui réussit à réunir des sensations, des sensibilités, c'était le moment pour nous de pouvoir envoyer toute la jeunesse vers un point précis et puis ensemble profiter de toutes ces sensations fortes, procurer de toute cette joie que peut donner un match de foot. Donc raison pour laquelle nous on a décidé d'initier le village Sili. Donc c'est un concept assez authentique et où vous aurez évidemment du bon contenu avec des expositions, des espaces de jeu pour grands, pour enfants, vous aurez de l'animation, vous aurez des prestations artistiques, vous aurez une zone gastronomique où les gens pourront aussi manger et boire. Donc voilà, en quelque sorte, c'est un peu ça le concept du village Sili. Maintenant, à 24 heures, où en êtes-vous avec les préparatifs? On est sur le site, peut-être que vos caméras vont faire un tour d'horizon après pour constater derrière que nous on est à 80% près et on a installé les stands. Les entreprises ont le droit de faire les brandings intérieurs par rapport à leurs images de marque parce qu'on a une dizaine d'entreprises guinéennes, citoyennes aussi, qui ont décidé d'afficher leur image et de s'associer à notre initiative. Elles nous ont fait confiance. Donc nous, voilà, je pense qu'on est prêts. Elles viendront brander leurs espaces parce que ce sera tout ça le contenu de ce qu'on va apporter pendant le village Sili. Sans oublier le fait que nous soutenons le football africain, nous soutenons également notre 11 national, le Sili de Guinée. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse du côté mobilisation pour que les gens viennent vivre cette CAN ici à la Besançon? À chaque fois qu'on me demande qu'est-ce que vous avez à dire comme mobilisation, je dis le football a déjà fait le reste de la mobilisation. Parce que le football est un vecteur de mobilisation. Je ne pense pas que ce soit ma voix qui puisse mobiliser les gens. Parce que le Guinéen est patriote, le Guinéen est amoureux de foot, le Guinéen aime son équipe nationale, pour commencer déjà. Donc je ne pense pas que, aussi petit que je sois, je puisse demander aux gens d'être motivés ou pas. Ils le sont déjà. Après, tout ce que moi je peux ajouter dessus, c'est de venir communier avec nous au village Sili et de passer des moments ensemble parce qu'un bon match de football ne se suit pas seul devant son écran à la maison. Il se suit entre amis, entre collègues, en famille. C'est là qu'il y a des sensations fortes, c'est là qu'il y a de la joie, c'est là qu'il y a de l'engouement. Et on va montrer aussi à notre 11 national que le 12e homme est resté au pays. On les soutient, on est avec eux parce qu'ils ont les échos sur Internet, ils ont les échos sur les réseaux sociaux, de ce qui se passe quand ils font des prouesses, quand ils ramènent des victoires, ce que ça fait au climat socio-politique de notre pays. Donc c'est très important qu'on puisse ramener de la joie parce que ces temps-ci, il y a eu des crises, ça et là, la politique a pris le dessus et le seul vecteur, encore une fois, pour nous réunir, c'est le sport roi, c'est le football. Donc moi, j'invite tous les Guinéens et Guinéennes, toute la jeunesse, à venir au village Sili, ici à la Besançon de Kaloum, tous les jours de match. Le village est ouvert à partir de midi jusqu'au dernier match du soir. Le village sera ouvert, et ce, sur toute la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, dernière question, on va parler côté artistique, puisqu'il n'y aura pas que de football. Vous avez parlé d'artistes. Est-ce qu'on peut s'attendre ici à un mini-concert pendant cette CAN? Et quelles sont les grosses pointures attendues de la musique guinéenne? Il n'y aura pas de pointure, il y aura des artistes. On va donner la latitude à tout le monde, c'est une fête africaine. Chez moi, je dis toujours, il faut donner beaucoup plus de chance aux artistes en herbe parfois qu'à ceux qu'on voit tous les jours, qu'aux mentors, qu'à ceux qui confirment et qu'on connaît de tous.
Donc tous les jeunes qui ont envie de se défouler, qui ont envie de... Tant qu'il y aura du temps ici, évidemment, tout naturellement, de leur donner des palettes d'expression, nous on le fera ici et voilà, ça sera un endroit où ils pourront venir se récréer, ils pourront venir montrer de quoi ils sont capables. Après, la grosse pointure, c'est le sport, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, c'est ça la réalité. C'est la Coupe d'Afrique des Nations, vous avez compris, aimables téléspectateurs de Guinette Music. Il ne reste plus qu'à dire merci au PDG de Nord-Sud Communication qui signe cette initiative et qui l'exécute bien sûr. Comme il l'a dit, le football ne se regarde pas seul, il se regarde ensemble, en famille, entre amis et ça se joue. Donc rendez-vous pris à partir du vendredi jusqu'à la fin de la CAN. Portez-vous bien où que vous soyez dans le monde et restez surtout connectés sur guinéhitmusic.com. Merci. guinéhitmusic.com. guinéhitmusic.com.